Facile. Il est mort? Il est mort ou quoi? 3 dolides, 1 gangre. Okay, on trouve un groupe de 2 dolides. Il y a pas de meuf, de toute façon, je suis en train de parler à des mecs là. Si, si, t'inquiète, il y a full meuf. Mais si, t'inquiète. Dans le chat, mettez 1 si vous êtes une meuf et mettez ta mère Magua si vous êtes un mec. Quoi? Quoi? Vous m'aimez pas, vous m'aimez pas. Vas-y, on te met. Vas-y, Magua. Bah, attends, est-ce que tu préfères Magua? Ouais. Ou lécher une cuvette de toilette? Regarde, je vais perdre mon truc. C'est très bien ce que j'avais répondu. La cuvette 100%, c'est clair. Parce que vous savez, ce gros chien là. Il me demande à lui retaper ses overlays, je retape ses overlays vite fait. Donc je suis sur Gimp en train de chercher des images, des trucs. Je me balade sur le bureau, je tombe sur ma gueule comme ça. Je vois ma gueule déformée, je fais c'est quoi ça, Coco? Il me fait ah rien, c'est une surprise! Super la surprise, il utilise ma tête pour se faire des émotes. Je savais même pas. Elle était déjà à upload. Aucun respect. Non, justement, la vita faut qu'il loca, se barre. Les soirées t'es chicha. Tu fais quoi? Tu tapes Magua? Ah non, tu fais quoi Magua là? T'es en train de le taper à distance. Il vient de le booster 120%, oh, je crois rêver là. Mais Magua, tu fais quoi là? Putain de merde. Allez, salut, hop, on se casse. Magua! C'est pas trollé. Triple Yosh, il tape à distance, il fait des flèches. C'est pour ça qu'il y en a que deux, mec, arrête de dire triple. Non, non, mais tu l'as boosté à 240%, mec. C'est dingue de faire ça en vrai. Le vide dans son cerveau, quoi. Et il ose dire en tapant la vita loca. T'es enculé là. Mais non, j'ai pas. En fait, oh, je voulais. Oh. Tu sortais de Edge of Empire, t'avais ça quoi. Le monde full ouais. 3D et tout. Je m'en vais pour fendre du troll. Je reste sur vos pas. Et en mon vrai, épée... je me donne. C'est un temps qu'ils disent au bout d'un moment. Bon, tu me divises mon XP par deux, t'es relou là. Je me donne ma vie si à la place de jouer à Dofus, j'aurais été sur WoW. Genre ouais. Il y a 15 ans. Ça aurait été pire, je pense. Dofus, j'aurais fait 4 ans de WoW. Quand j'ai fait ma pause après pour LoL, je serais revenu sur WoW. Enfin, j'aurais jamais joué à Dofus, c'est toujours à WoW, tu vois. Toutes mes périodes de Dofus en WoW. Je me demande comment ça aurait été, tu vois. Je ne parlais pas de cette épée-là. J'ai le seum. On peut le faire. Je te suis, je te sens bien. Ouais. C'était super bon ça, Pokémon. Puis après, tu sais, en soirée, en fait, bon, c'est triste à dire, mais ça aide pour pécho. Ah bon? Non, en quoi ça aide pour pécho, mec, de fumer? En gros, si la fille fume... Ah, mais oui, mais oui. Il parle avec, tu vois, il y a beaucoup de fumes. Et tu lui dis, bah, si elle fume pas, tu dis, ouais, je vais fumer une gaz. Est-ce que tu m'accompagnes, tu vois? Même si elle fume pas, elle vient. Donc, dans tous les cas, après, tu te retrouves en petit cercle fermé. Ah ouais, donc, en fait, t'es... Je vais acheter des cigarettes. Non, c'est quoi ce conseil? C'est le pire conseil. Non, 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 vous pouvez pas finir là-dessus. Je refuse. Je refuse. Allez, on essaie d'être vraiment synchro, t'es prêt? Rentre dedans. Ah, allez, con. Vas-y, attends, on refait. Oh, j'atterris sur toi, Cocomène. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Oh merde. Je me présente, Cocomène, vérifié sur Twitch. Un Zobado cri équipé d'un itch. Je joue à Defus depuis des années sur Illy, c'est moi le padré. Je débarque dans vos vies avec un eagle. Je vais défoncer des culs à toutes les e-girls. On se fera demain soir. Galérer. Tu sais qui on est ou quoi? On se verra demain soir. Qui on est, ma gueule? Qui on est, ouais. C'est qui? On est qui, nous? On est qui? Explique-nous qui on est, en fait. Bon, en fait, on est des mecs trop forts, en fait. Ah. On est le trio de l'infini, bon. Oh là là. Est-ce que quelque chose nous résiste? Oui. Ah oui, quoi? Les femmes. C'est vrai. C'est vrai qu'on galère un peu par rapport à ça. Elle est belle, Rose Nazda. Oui, Rose est une jolie fille, ouais. Ouais. Elle est pas... la nature a été assez cool avec elle, ouais. Salut, Terizos. Après, c'est pas ouf non plus, tu vois. C'est comme une jolie fleur que tu sais que t'as un peu quand même secoué, tu sais, contre un mur. Ça reste une jolie fleur, mais c'est pas... Il y avait un effort de base. Après, c'est le temps qui fait qu'elle s'est dégradée, tu vois. C'est un bon exemple, mais c'est quelque chose qui arrivera jamais, parce que Noza, il sait qu'il a zéro chance de base, en fait. Ben, la joueuse d'Ophus la plus vieille, elle a genre 20 ans, et lui, il en a 27. Regarde ce qu'il dit, Magua, dans le chat. Tu réponds quoi à ça, Nozada? Ma joke, là, Nozada? Magua, ne te mêle pas de tes affaires. Ne te mêle pas de tes affaires. Occupe-toi de celles des autres. Prends tout membre à son actif.
une vingtaine de connectés à peu près en même temps. Le stat agent d'activer, elle serait 7. Personne, je vais prendre de l'eau. Je vais aller me faire un petit sandwich. Je vais aller baiser la mer, moi, quoi. Quoi? Je comprends pas, genre, coco, genre, je me suis excusé et tout, et tu me fais ça? Je vais les faire gagner par au chat. C'est vrai? Sérieux, City Games? Oh putain, est-ce que vous avez bien entendu ça, les gars? Xavier, j'ai un cadeau de Noël. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, j'arrive de savoir. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Petit cadeau de Noël. Trier, aucun tri. Ah ouais, un vrai cadeau. Attention. Des trucs comme oui, ça, oui, ça, t'as envoyé oui, ça. Des mots et tout, avec des trucs à cocher, genre des questions-réponses et tout. Que je t'ai eu, frère. C'est une vanne Facebook de 2005. Attends, ouais. Ma quoi, il ressemble à un hamster au lycée, je suis sûr. En vrai, toutes les meufs ne me résistent pas. Tu ressemblais plutôt à quoi comme animal au collège, pas quoi? Un cochon. Un cochon. Le défaut de ton stream, mec. D'accord. C'est en musique. Tu peux aller sur n'importe. En fait, moi j'ai de la musique toujours. Hein. C'est juste qu'elle est trop basse en fait. Pour calibrer. En fait, vous l'entendez. Non, mais vous l'entendez bien quand vous êtes pas en vocal. Et dès que vous êtes en vocal, en fait, c'est un peu trop fort le son de la musique pour que les viewers entendent bien la musique et vos voix. C'est chiant à calibrer. Non, mais même ta musique que tu mets, c'est de la merde. En fait, parce que c'est de la musique sans parole. Mais t'es obligé de faire ça parce que sinon y a pas de best-of. Mais bon, les sorts. Attends. Est-ce qu'on doit d'abord cliquer sur un truc? Non, y'a rien à faire, je pense. Fais s'enfuir, je pense. Fallait pas parler en PNJ, genre. Non. Je crois lui parler, ça faisait rien, j'ai rien. J'ai lancé tout seul. Non, t'es un gros mytho. On lui dit trois fois non. Non, c'est mais c'est pas vrai. Ça serait vrai. Non, mais c'est bon, mec, on va pas guider. Enfin, Tenosa, on aurait attendu, j'aurais été un vrai frère. C'est vrai, vous êtes pas des frères. On est vraiment des enculés entre nous, j'ai l'impression. En même temps, on t'a dit qu'il fallait cliquer de nulle part. T'as cliqué. Des frères, on n'est pas en mode ouais c'est pas grave frérot t'inquiète, on est en mode ah oh, dick ta mère t'es con. Je gère pas les gars, je suis déjà mid life, j'ai pas tapé hein. Vous allez voir ça mais tu sais que même nous mec les mid life gros enfin... En fait y'a trois mobs qui nous rushent dessus en fait, mais oui mec en vrai gros faire avec gros. Moi, je quitte je merci pardon. Ah voilà un frère, ça c'est un frère. J'ai quitté avant C'est trop... Le j'ai quitté avant, il m'a terminé. C'est moi le vrai frère. Alors qu'il y a des autres, ils étaient là, fais le solo, gamé. Si tu veux garder le modo, il faut que tu te subes. Mais on vit dans quelle entreprise là en fait? C'est comme si moi j'arrivais le matin au travail et pour travailler, eh ben je donnais 5 euros à mon patron. Il me dit allez viens, va ranger les fruits et les légumes, mais tu me donnes 5 euros. Il est fou, il est complètement fou. Bah ouais. Malin. Un modo non sub, dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on, Louis? On en parle de la visibilité qu'il nous a apporté. Alors écoute-moi bien, Snitrix, jamais j'ai pu profiter de mon statut de modérateur chez Nozada. J'ai pu baiser absolument zéro meuf du chat. Pourtant t'essayes hein. Alors que... Ah, bon, on va quand même pas mourir en zone Elysée là, c'est quoi ça? Eh, dans quel monde vit-on? Pas celui de Louis en tout cas. Louis Vuitton. T'as pas vu qu'il tape? Attendez. Parce que je fais ma meilleure blague, mais je crois qu'on va crever, donc... Mec, j'ai rêvé que j'étais en colonie de vacances, et que genre, je couchais avec mon ex, tu vois. Et genre, on était en plein acte, c'était tranquille et tout. Et là, il y a notre moniteur de colo qui nous surprend. Et devine qui c'était? Okay. C'était Pascal Obispo. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Pascal Obispo? Je sais pas. Je m'attendais vraiment à plein de choses, mais pas à Pascal Obispo, quoi. Comment ça s'appelle? J'aime trop ce jeu en plus. Ouais, Je l'ai torché, je l'ai... Plague. Je l'ai fait 300 parties de ce jeu. À chaque fois que je suis en voiture, je fais ça. J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, deux secondes, Magua, j'ai vomi de rire, je reviens, je dois nettoyer là. Ok. Il a rigolé sur le truc de Donald, ça fait une demi-heure. Je suis... Sachant que plus personne qui vomit, à chaque fois qu'il rigole, c'est n'importe quoi. Moi j'ai une raison. Mais je sais pas si ça dégoûte pour la même raison. Tous les jours. Mais... Non, alors. Moi ça me dégoûte parce que la seule meuf de Magua, tu lui piques. Ouais. Mais gros, il m'a demandé. Ouais, moi ça me dégoûte en vrai. En vrai, Fiat, t'es chum. Elle veut pas de moi de toute façon, elle veut pas de moi, mec. Elle veut pas de moi. Bien sûr qu'elle veut toi, mec. Elle veut que toi, mec. Non, je te jure, j'ai essayé de lui envoyer des DM. Elle m'ignore. Ha 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 ha!
Magua, c'est tout. Non, 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 tu protégeais pas Magua, tu croyais pas en Magua. Non, 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 je voulais protéger Magua de si quelqu'un se foutait de sa gueule, je voulais vraiment non, pas qu'il se foute de ta gueule, c'est tout. Non, 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 c'est pas. Je protégeais les sentiments de Magua, c'est tout, mec, c'est tout, il est basta en fait. Non, mais c'est bon, personne ne m'aime, de toute façon. Si, on t'aime bien, Magua, mais t'es juste. Juste, bah écoute, t'es dégueulasse, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est trop. Ouais, bah ça casse les couilles, genre.